Salut tout le monde, surtout pour une nouvelle vidéo World of Tanks, cette fois-ci en T-44, le char suivant du T-43 qui est déjà passé sur ma chaîne, donc à niveau 8 médium de la ligne russe, suivant le T-54, T-123 ou Object 140, un char médium qui tire toutes les 8 secondes, 223 sont déjà partir, franchement assez rapide, maniable, rien à dire. Donc on se retrouve pour cette fois-ci une vidéo très spéciale, vraiment très spéciale. Je préfère directement vous dire, je fais la médaille que je fais souvent. Je taquine un peu l'équipe ennemie. Mais quand je dis un peu, c'est avoir fait le gourmand. Vraiment avoir fait le gourmand. Comme on peut voir, je suis au corps à corps avec un 375 et un Panther, mais j'ai réparé mon viseur et je fous le camp parce que bon, je voulais survivre et faire rester là, ça aurait pas trop fait l'affaire. Comme on peut voir, je suis top tier, j'en porte 45 obus AP et 11 APCR. J'utiliserai pas les APCR, ça je pouvais le dire, mais c'est une partie assez spéciale, franchement, ça je le dis. Parce que j'aurais pas fait, enfin, si j'aurais pas fait le gourmand comme ça, j'aurais jamais eu la médaille que je voulais. Donc j'ai eu la médaille de requin libre, une médaille que j'ai tout le temps, qui passe à peu près souvent sur ma chaîne YouTube. Et je pense que c'est du gros calibre et la médaille qui passe souvent sur ma chaîne, c'est tout. Alors, je pense qu'avec ces deux médailles là, donc un petit 3000 les gars si je me gourre pas, et un petit 5 kills. Dommage que j'ai pas pu me faire le 6ème kill, sinon ça m'aurait fait un petit guerrier. Puis j'avais géré le 6ème kill, je voulais me le faire, mais j'ai pas pu. Enfin, il y aura. Franchement, je vous le dis, c'est assez spécial. C'est ça. Je pense que ça rend hommage au T-44. Voilà, ricochet du 112 sur mon char. Waouh. Un tir qui passe à côté, ok, c'était le KV-13 qui a voulu faire coucou à moi. Qu'on peut faire le C85, pas fou, il vient de me tirer dedans, qui n'a pas percé, mais moi qui tire dedans, il tire, il gâche. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, c'est quand même niveau 8, j'ai pas peur d'un niveau 6. Enfin bon. Donc on peut voir, pour l'instant on est en victoire, comme on peut voir. Enfin on est en défaite, pardon, en défaite. C'est 3 à 5. Je regarde un peu dans tous les sens. Ok. Un char par là. Le C85 qui vient de me voir. Je suis dit, attention. Visons bien. Attention. Replaçons-nous bien. Visons bien. Allez. Amorraqué. Donc vous tirez dans le bas du char et vous l'amorraquez. C'est pas souvent que ça arrive. Ça, que je viens. Ouais, un KV2, je sais pas, il était pas full focus pour me toucher, c'était pas... Fallait qu'il tente, mais voilà. Comme vous pouvez voir, je fous le camp, je fais demi-tour, j'ai le 112, pardon, qui me fonce dessus. J'aime pas les 112, franchement. Donc voilà, le 112, il est là, je pars très très vite, derrière moi. KV13 qui était sur mon flanc. Imaginez, là je fais mon saut, il me tire dedans. J'aurais ragé un peu quand même. Enfin bon, alors là on peut voir, je voulais aider le L4. Je voulais. Elle tire moi aussi. Je voulais. Mais j'ai pas pu. Pour le L4, je peux toujours sauver le tir. Ah. Je commence à aider. J'aide. Je fais. Je tire. Je fais que ça. C'est le T-385 qui ricoche. La Panthère qui monte, moi aussi qui ricoche. Lui qui tire pas, enfin lui qui me rate. Bon, le T-44, enfin le L4 qui me dit retard. 44. Je pense que c'était pour moi, je suis pas sûr. Oui.
pas sûr. J'ai vu que le Panther était mort. Donc je fonce sur le KV-13 pour me le faire. J'ai déjà 1800 dégâts. Un kill. C'est très énorme en partie pour l'instant. Hein. Donc voilà, il me fait juste la chenille. Juste la chenille, c'est déjà ça. Voilà, je sais surtout de foutre le camp remonté pour après les reprendre dessus, mais bon. Le 112 me traquait. Comme tout le temps, il voulait pas me lâcher cet enfoiré. Donc j'ai voulu tirer va vite. Lui pas passé. Petite marche arrière. Je pensais que l'ISU ou le SU m'aurait aidé, mais non. Je vais mourir. Voilà pourquoi la vidéo était marrante. Parce que je me suis fait un KV-13. Je vais mourir. Mais non. Je m'arrête pas là. J'ai pas. Voilà un coup de T32 dans les dents. À l'arrière de tourelle. Là, je fous le camp. Le 112. Je vais s'acheter. Pensant que sa tourelle serait là. Mais non. Donc on va essayer de foutre le camp. On va tirer en dedans hein, bien sûr. Tire qui passe, il faut zigzaguer là. Ah il zigzague, oui, bien. Lui il est plus con que con, il pensait m'avoir, mais il m'a pas eu. Il a un peu pris le temps de viser. Comme on peut voir, c'est un gars pas très fut-fut. Il a même pas une heure de jeu avec son véhicule. 47% de victoire, 40 000 batailles, donc ça doit. C'est un gars qui a pris ça pour XP, pour pouvoir avoir de l'or. Enfin, avec de l'or débloqué ses chars. Donc voilà, ça c'est le commencement du taquinement de l'équipe. Voilà, come on. Come on, come on. Haha, big gnome. Je les trappe de gnome. Voilà. Je taquine un peu l'équipe. Comme on peut voir, je pensais que ça fonctionnait pas, mais je voulais juste me faire l'artillerie déjà. C'était déjà ça. Toujours se rapprocher, être à moins de 500 mètres, ça serait bien. Enfin, moins de 100 mètres ou 50 mètres. Ça sera super. Oh que j'aurai un Morak, une autre, j'aurais peut-être trouvé que c'était un peu mieux que la Morak avant quoi. Mais non, je n'ai pas un Moraké avant. Donc comme on peut voir là, c'est d'où j'étais venu me chercher. Mais je suis plus rapide, je partirai plus vite. Donc là. Là, je taquine encore un peu plus l'équipe. Et regardez bien. Franchement, regardez bien. Moi qui pensais que la partie était finie. Mais non. Ils sont décapés réellement. Ils sont carrément sortis de la cape. Ouais. Ce que je fais, ben je vais les chercher. J'ai vu voir la cape. Comme un cap. Mais je me suis demandé vraiment pourquoi ont-ils vraiment décapé. Soit je faisais une égalité en tournant tout le temps. En tombant sur un de temps en temps et essayant de me le faire. Ou soit je me donnais dans la cape du loup. Et ben non, j'ai décidé d'aller voir la cape. Je voulais pas d'égalité, c'était soit une victoire, soit une défaite. J'avais déjà fait un peu mon part de boulot, 3 kills, je suis bien passé. J'ai fait ma part de médium, j'ai été kill à l'artillerie, c'était bon. Pour moi, la partie était faite, elle était bouclée. Je dis si je peux emporter 2, 3, 4 gars en plus que moi, ils sont 5, si j'arrive à me faire là. J'ai oublié le nom de la médaille, mais la médaille, 1 face à 5, 1 vs 5, me laisse faire les 5. Par le 112 aura été chaud, sinon franchement. Voilà comme on peut voir. Voilà. En fait il s'était mis à FK T29 en disant ouais ils vont le killer, j'aurai une agence. Voilà. Une petite chose de médium qu'on voyait que c'est un char pas blindé. Voilà. Le truc des médiums. Voilà, on va viser. Attends de recharger une seconde. Voilà, j'ai ma rampe, je crois que j'ai dit, j'ai eu du cul. Voilà, je me dis, reviens ici, reviens, montre-toi. Ben, il voulait plus.
Il voulait plus venir. Et non, non, j'ai fait mourir, ça vient plus. C'est décidé, c'est bien plus. Il a décidé de plus venir. Moi, je voulais le contourner, aller passer par un autre endroit. Enfin, j'étais bien. Mais non, non, non. Bouf, il m'a fait l'autre. Coucou, je suis là. J'ai fait vite, vite, cassons-nous, cassons-nous. J'ai mon chef de char, il fait oui, vite, vite, il me fait peur. Ce con, il saute. Oh non, pourquoi il s'est pas fait plus de dégâts? 400, ça aurait été bien, mais non, 600, il a fallu 600, mais l'autre n'a plus de machine, heureusement. Voilà, je me le fais, attention. Hop là. J'ai eu du cul. Je chauffe, oh non. Non, non, j'ai dit non, non, je voulais pas. J'aurais pas eu le temps de recharger malheureusement. Et j'aurais pu troller toute une équipe à moi tout seul. Mais franchement j'ai pas pu. Le stand où j'aurais pu me le faire. Et donc si ça aurait été fait plus de dégâts en sautant, j'aurais pu me le faire. J'aurais pu. Mais malheureusement j'ai pas su. Donc on se dit à pour une prochaine vidéo. Et cette fois-ci encore plus délirant, j'espère. A plus.